Bonjour, bonjour à tout le monde. Cette vidéo, je la fais parce que on perd souvent le temps. Parce qu'on pense qu'on a beaucoup de temps. Or, nul n'est sûr du temps qui lui reste. Donc, là, on est lundi. Vous avez sûrement une routine de choses que vous faites. Et voilà, j'espère que vous me voyez bien. Bonjour, bonjour. Bon. Je me suis réveillée ce matin et vous savez, parfois c'est assez difficile dans ce que je fais parce que je coach les gens et comme Paul a dit, je peux parler, je vous dis les choses et après vous avoir enseigné, moi-même j'échoue. Et parfois vous pensez que c'est facile, genre elle maîtrise déjà la chose, je sais pas, avec, voilà. Elle arrive à faire ses lavages. Alors, en fait, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, vous pensez que je n'ai même pas besoin de lavage. Vous pensez en fait que je suis tellement immunisée contre le mal que je n'ai même pas besoin de lavage. Donc, bonjour, bonjour, ceux qui viennent de se connecter là. Dans ta vie, tu n'auras les choses qu'à la mesure. À la mesure de ce que toi-même tu as donné. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu. C'est la routine, genre, ben, je connais déjà tout ça, dis-moi quelque chose de nouveau. Vous n'êtes même pas en train de faire le 5% de vos capacités. Vous n'êtes même pas en train de toucher la surface. Donc, vous n'avez même pas encore commencé à toucher à vos dons. Et c'est important pour vous de comprendre que ce n'est pas parce que, voilà, j'ai déjà mon boulot, je suis confortable, voilà, je touche mes 2500 euros le mois, j'ai voilà, 3500 dollars ou bien 5000 dollars le mois, ça me va. Je n'ai pas besoin de plus que ça, ça va. Et depuis 6 ans, tu es là au même endroit. Tu n'avances pas. Tu dois te poser des questions. Ta vie ne bougera pas tant que toi-même, tu ne viens pas faire bouger les choses de ta vie. Donc, bonjour, Facebookien. Ouais, Zandou me dit, même le docteur tombe malade. Oui, ça se fait. Bonjour la reine Francis, ou le roi Francis. Le roi Francis, ouais. La reine Faupa, bonjour. La reine Sandrine, bonjour. Kimlich, bonjour. Bonjour, c'est en direct sur YouTube. Je veux que vous allez vous abonner sur YouTube parce que je veux vraiment, il y a des jours où Facebook fait des conneries. Je veux vraiment avoir la liberté de pouvoir poster. Et j'ai des vidéos que j'ai postées sur YouTube que je n'ai pas mis sur Facebook. Donc, quand je fais des vidéos que je préenregistre, je mets ça sur YouTube.
Et sur YouTube, c'est classé. Il y a des j'ai classé en playlist. Il y a la playlist de lavage, il y a la playlist des kits de déblocage, des kits. Il y a la playlist de la, du coaching. Donc, vous profiteriez beaucoup à ouvrir votre esprit sur YouTube. Bonjour la reine Sidonie, qui m'écrit sur YouTube. Si vous ne faites pas l'effort de rester conscient dans votre esprit, j'écoute la fille chaque matin, mais je n'ai jamais rien fait. Eh bien, tu peux te retrouver dans 6 ans, tu es au même endroit. Parce que c'est toi qui as décidé de ne rien faire. Parce que parfois, j'ai l'habitude de j'ai souvent des clients, ils viennent. Et tu sens en eux qu'il n'y a pas la rage. Il n'y a pas le feu là. J'ai une qui a pris mes services, ça fait. Elle a commencé depuis novembre. Donc chaque mois, elle faisait d'abord le lavage. Après, il y a le lavage, il y a les offrandes, il y a toutes ces choses qu'elle a fait. Elle avait une. Elle a une sorte de rage de réussir. Donc il y a de cela 3 semaines. Elle a commencé à avoir des attaques. Elle se réveille, une partie de son visage est noire, je sais pas si les boutons, c'est. Et là, elle. Elle était donc dans les rêves, attaquée. Les déceptiques, on l'appelle même pour lui dire que voilà, c'est moi qui te bloque, c'est moi qui fais ça. Et là, je lui ai dit que ma chérie, tu sais, quand la fête commence, quand tu commences à faire le travail spirituel, tu dois être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu vas lire l'heure. Quand on va venir t'attaquer un peu, on va te pousser comme ça là, tu vas dire, je laisse. Ah, les affaires de la reine Jocelyne là. Ah, c'était même tout, c'est trop. Je pensais que Jésus qui pour croire qu'il va être un jour délivré. C'est la paix, tu as développé la persévérance. Tu fais, tu reviens. Tu fais, tu reviens. Donc, quand ce truc-là a commencé, je lui ai dit. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Parce que le genre d'attaque que tu as rassé, elle dit qu'effectivement, je n'ai pas encore le genre d'attaque depuis. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Il y a une dame qui voulait faire une grosse collaboration avec elle, qui la contacte. Donc là, ils sont dans les derniers trucs pour finaliser. Vous seriez attaqué, ne soyez pas surpris quand ça va venir, parce que Jésus lui-même a dit que l'adversité va venir à cause de moi. Ils vont vous attaquer à cause de moi. Donc, si vous êtes sur Facebook, allez vous abonner sur ma page YouTube. Sur YouTube, j'ai le même nom. Vous devez juste avoir la volonté de vous abonner. C'est-à-dire, tu passes sur YouTube, tu tapes de Guide Digga Academy, tu t'abonnes. Pour ceux qui sont en direct avec moi sur YouTube, bonjour. Il y aura des jours où tu vas te lever, tu n'auras plus. Tu ne voudras même pas aller faire le bain de sel. Parce qu'en fait, les actes que tu ne poses pas, c'est ce qui est en train de t'handicaper. Toute personne qui réussit va te dire qu'à un moment ou à un autre, je suis allé, j'ai poussé un peu plus. Je dors à minuit, je me réveille à 4 heures. Je sors, je pars courir telle distance. Je sors, je pars faire telle chose. Les choses que les gens refusent de faire. Donc, ce que tu as comme résultat dans ta vie actuellement, c'est le fruit de ce que toi-même tu as semé. Bonjour, Jésus. La reine Blanche, bonjour. La reine Tifa, bonjour. La reine Albertine, bonjour. La reine Nathalie, bonjour. Personne ne s'occupe de moi. Pitié, aidez-moi. Ça, c'est les paroles des gens qui sont paresseux. Ça, c'est les paroles des gens qui sont paresseux. Bonjour Bernadette, bonjour la reine Mel. Et
J'ai annoncé sur YouTube hier, Facebook, non, j'ai annoncé, il y a une... On a commencé la première, c'est là la deuxième, même c'est l'année passée j'ai fait la première. La deuxième session d'école de spiritualité. Donc, si tu es choisi, tu as les dons. Dans cette école-là, on verra que le spirituel. Je ne parlerai pas de, d'argent, je ne parlerai pas de ça. Parce que j'ai un groupe business. Donc, ce sera des, on va faire des formations. Donc, vous devez premièrement être disponible pour regarder même en replay et faire les devoirs envoyés. Deuxièmement, vous devez avoir les finances pour payer. Quoi que on va sûrement faire ça sur 6 semaines. Je n'aime pas mettre les cours trop longs parce que on va faire ça sur 6 semaines et après, en octobre, on fera une autre rentrée. Donc, en août. Le cours va commencer en août. J'ai beaucoup de demandes, beaucoup. Même hier encore. J'ai rencontré un monsieur, il m'a dit. C'est un roi. Mais la mission qu'ils m'ont donnée, c'est de rassembler maintenant les rois et les reines. De créer un espace où on peut venir pratiquer. Voilà. Où on peut venir, on se met ensemble et puis on... Vous avez des manifestations. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en novembre. On a fait cette formation sur 8 semaines, je pense. 7 ou 8 semaines. Et bien, on avait des personnes dans le groupe qui rêvaient, avec qui on parlait des dons d'une autre personne. Genre, on avait une personne au Tchad, on avait une en Angleterre, on avait peut-être deux personnes en France, je pense. On avait... est-ce que j'avais quelqu'un au Cameroun? Je pense pas. En tout cas, ils étaient répartis en Europe et puis en Afrique. Donc, dans le... ouais, j'avais quelqu'un au Cameroun, oui, je me rappelle. Il y avait Noël qui était au Cameroun. Et il y avait des jours, la personne qui est en Angleterre rêve et voit comment celle qui est au Tchad est en train d'utiliser ses dons spirituels. Ou bien celle qui est en France rêve des enfants de celle qui est en Angleterre. Donc, les choisis ont besoin de cet espace où il y en avait qui avaient le discernement, genre parfois on est en science comme ça. Et tu vas voir peut-être celle qui est au Cameroun, c'est une femme aussi très puissante. Elle peut lire l'aura de la personne qui est en France. Donc je veux faire cet espace spirituel, pur et sain, dans lequel vous allez découvrir vos dons. Donc je ne serai pas là pour vous enseigner vos dons, mais cette formation spirituelle, ce sera pour vous permettre de découvrir vos dons. Et beaucoup d'entre vous, il y a des sirènes, il y a des sirois qui sont cachés. Vous êtes là, vous fonctionnez en sous-marin. Tu as un petit boulot comme ça là que tu fais. Et très peu de personnes connaissent qui tu es. Maintenant, la seule instruction que tu as reçue depuis, c'est de continuer à te cacher là-bas, là où tu es. Donc, je suis là pour te dire que le moment est arrivé. S'il y en a parmi vous, vous êtes... bonjour la reine Lidine, bonjour Marie, bonjour la reine Soliane, bonjour la reine Yao, Angélique et Giseline, bonjour. Donc, je suis en même temps en direct sur YouTube. Donc, il y a des... Il y en a parmi vous, vous avez reçu des dons. Et vous êtes cachés. Il y en a même, vous êtes en train de... Depuis que vous m'écoutez et vous commencez à utiliser ce que je vous donne comme produit, vos dons sont en train de s'ouvrir. J'ai, je crois, 2 ou 3 femmes comme ça en France. L'une là, quand elle a acheté le bâton de commandement, son enfant ne voulait pas s'en séparer. Je crois l'enfant a 2 ans. Et les rêves qu'elle fait, elle se voit en train de faire des trucs extraordinaires dans ses rêves. Je lui dis, voilà, vous êtes nombreux comme ça. Et vous attendiez. Je suis là pour vous dire que le moment est arrivé.
Donc ceux qui vont connaître ceci vont trouver la vidéo. Hein. Je ne me casse même pas du tout, quoi. Vraiment. Même pas. Ceux pour qui ce message est destiné vont localiser la vidéo et vont saisir et ils seront présents en août quand on va commencer. Donc, il y a une école de spiritualité. Et là, ils me disent de vous dire, je ne vais pas mettre de montant fixe dessus. Là, c'est la première fois qu'on me donne des instructions pareilles. Là, généralement, moi, je mets mes prix très, très... Donc, cette formation n'aura pas de coût. Maintenant, je vais devoir vous... Je vais vous jauger. Donc vous allez devoir m'envoyer un message. Parce qu'il y en a, vous êtes dans des pays où vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas de boulot. Mais vous avez beaucoup qu'on vous a déjà donné, qu'on a téléchargé en vous. Et il est temps que ça clique. Donc ne vous méprenez pas, je ne verrai pas gratuitement. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, voilà, viens, ne paye pas. Parce que spirituellement, toute personne qui me suit et qui est vraiment spirituelle, tu sais que dans le spirituel, tu dois absolument sortir quelque chose de toi pour recevoir. Dans le spirituel, c'est un peu comme si, pour recevoir de quelqu'un, je dois, quand j'enlève de moi, ça fait de l'espace pour que ce que la personne m'a donné reste. Ce sont les principes spirituels. C'est pour ça que quand vous faites les vidéos, je dis que même si vous ne faites pas de dons, ce que je vous ai dit, ça ne va pas vous aider. Parce qu'il y en a parmi vous, c'est difficile pour vous de sortir votre argent pour que vous faire un don. Donc vous devez toujours donner. Voilà. La reine Danielle, bonjour. Ah ben oui, il faut toujours sceller. Bonjour Chavelu, la reine Chavelu, la reine Eudoxie, bonjour, la reine Lorette, bonjour, la reine Divine Marie, bonjour, Soriane, bonjour, je ne sais pas, je crois que je vais la saluer. Il y en a parmi vous, vous êtes des êtres très puissants. Vous n'avez pas besoin qu'on vous reconnaisse. Vous n'avez pas besoin qu'on dise, oh, elle est puissante. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez à tester vos pouvoirs. Vous êtes devenu riche à travers vos pouvoirs. Bon, là où tu es là, tu connais que si tu as besoin de n'importe quoi aujourd'hui, tu te lèves. Tu te concentres, tu parles. Tu parles, tu passes un appel. L'argent dont tu as besoin vient. Tu sais ça. Facebook, allez vous connecter sur YouTube. Si vous obligez pas, je sais que vous n'avez pas parti. Je ne sais pas pourquoi. Pour vous, la reine Crescence. Et la reine Maddo sur YouTube, bonjour. Bonjour la reine Isabella. Beaucoup d'entre vous, vous allez arrêter votre boulot. On appelle ça le corporate. Donc vous allez arrêter de travailler pour quelqu'un. Parce qu'on est en train d'entrer dans une ère où les dons spirituels vont rendre les gens super riches. Donc, tu lis l'énergie de quelqu'un, ça te donne de l'argent. Tu n'interprètes pas le rêve de quelqu'un, ça te donne de l'argent. Tu consultes quelqu'un, ça te donne de l'argent. Ça, c'est l'ère dans laquelle on est maintenant. Et toute personne qui m'écoute, parce que tu écoutes ça, que c'est ton oreille, ça, juste parce que tu m'écoutes là, c'est ça, c'est réalisé dans ton oreille. Donc, allez vous connecter sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube aussi. Allez sur YouTube, Reine Esther.
Bonjour la reine Rolande. Bonsoir. Ouais, c'est que toi là, tu veux gâter les jours. Tu es en Afrique, quand tu arrives comme ça, là, tout le monde garde seulement son sac ou bien on met les télés en haut. Je sais pas, parce que tu vas seulement gâter. Donc, le moment est arrivé pour vous de. Il y en a parmi vous ne souffrez pas financièrement, vous ne manquez pas l'argent. Vous ne manquez pas. Mais. Vous êtes dans une saison de votre vie où, avec tout l'argent que vous avez et tout ce que vous êtes en train de faire, l'esprit vous pousse que tu dois mettre en pratique. Tu dois exercer avec tes dons spirituels. Bonjour la reine Corinne Simo qui vient d'arriver sur YouTube. Bonjour la reine Florine qui vient d'arriver. Si vous arrivez, donnez-moi un like pour la vidéo. Donnez un pouce comme ça. Même si vous êtes des sceptiques, vous mettez comme ça. Edwige Zofak, bonjour. Tu dis que je viens de donner la réponse à une question que tu as posée à tes ancêtres. L'école du spirituel. Oui. Hier, qui m'ont confirmé. J'avais lancé une séance, une session en novembre. J'avais arrêté. Après la première session, là, j'avais arrêté. Mais hier, ils m'ont donné encore le feu vert. Donc, je suis là positionné au bon endroit. Je suis à l'épicentre de la spiritualité ici. Bonjour Cindy. Bonjour bien-être. Bonjour Colette. Bonjour Sandy. Je suis à l'épicentre vraiment de la spiritualité. Oh, merci la reine Isabelle. Bonjour la nouvelle abonnée Irène. Vous savez, beaucoup ont souffert, beaucoup d'entre vous avez souffert. Et vous étiez comme, vous voyez la personne là qu'on sait dans la famille, que, ah pardon, elle n'a pas fréquenté. Bonjour la reine Victorine, bonjour la reine Edwine. Elle n'a pas fréquenté, comment est-ce qu'elle va réussir? Et tu as tes oncles, tes cousins. Ils sont en Europe depuis longtemps, ils ont déjà conçu 3 maisons au pays. En fait, ton temps est arrivé. Et pour ça, tu dois d'abord croire. Parce que dans cette formation-ci, il y aura des gens, ils m'ont montré qu'il y aura des gens qui seront très riches. Donc, ils ont déjà l'argent. Il y en a, ils ont déjà l'argent, mais l'argent là, ils l'ont eu à travers d'autres moyens, mais pas spirituels. Et il y en a qui ne seront pas très, très, très riches, mais ils vont venir, mais par contre. Tu peux voir quelqu'un, c'est un coiffeur, il est dans un petit salon de coiffure, il coiffe. La reine Roland, tu dis que toi aussi, j'espère que tu vas venir dans la formation spirituelle. Donc, tu peux voir un coiffeur, non? Peut-être par jour, il gagne, supposons, 20 000 ou 30 000. Et tu arrives, tu le vois, tu le simplifies. Tu dis, ah. Mais tu ne sais pas qu'il a des dons spirituels. Tu ne sais pas que là où il est, en tant que coiffeur, on lui a demandé de rester là-bas pour une période. Et il fallait qu'il soit en train de coiffer pour te rencontrer. Et quand il te rencontre, tu l'actives. Ça, c'est le monde du surnaturel. Facebook, je vais me déconnecter avec vous dans 3 minutes. Donc, vous devez absolument vous connecter sur YouTube. Tous mes abonnés, là, vous devez partir sur YouTube. Parce que je peux mieux gérer les Decepticons sur YouTube. Donc, vous devez développer. On me dit qu'il y en a parmi vous, dans votre famille. On vous a beaucoup simplifié. Et votre grand-mère avait ces dons-là, ou votre grand-père. Mais on ne vous a jamais dit.
Bonjour la reine du ciel, Marie Blanche. Vos parents avaient ces dons, ou bien grands-parents, ou bien arrière-grands-parents. Mais on ne vous a jamais dit. Et c'est en vous, c'est en vous se manifester. Facebook, connectez-vous sur YouTube. Le nom sur YouTube, c'est The Guide Academy. Allez vous chercher, vous vous connectez sur le direct. Dans 2 minutes, je vais arrêter le direct. Et parfois, dans tes rêves, tu vois ce grand-parent-là. Le moment est arrivé pour que tu commences à faire. Moi, j'avais ma grand-mère. La mère de mon père. Bonjour à la reine Javeli, tu es venue par ici, c'est super. Donc, comme je disais, beaucoup d'entre vous, vos grands-parents avaient ces dons. Certains, c'est votre grand-mère qui vous a passé. Hein. Et vous avez beaucoup, vous êtes assis sur vos dons. Peut-être tu voulais avoir l'argent, tu voulais voyager pour aller en Bengue. Maintenant, tu es en Bengue. Et ils me disent de vous dire que c'est le temps est arrivé maintenant. Pour que vous continuez le travail qu'ils ont commencé. J'ai grandi avec la mère de mon père. Et elle avait une pièce à la maison. Où elle travaillait sur les gens. Pour moi, c'était genre... Pourquoi la grand-mère s'y fait des trucs de fou comme ça là. Donc c'était un monde pour moi qui était... Je n'y touchais pas, mais je restais toujours à la porte, on m'a dit. Et c'est fou parce que de tous ces petits-fils, je suis la seule pour l'instant chez qui ça s'est manifesté. Et moi, je me serais dit, bon, s'il fallait choisir quelqu'un, je crois que ma grand-mère aurait choisi, elle avait d'autres petits-fils préférés, je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'elle a choisi. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Voilà. Donc, Facebook, je vous arrête en 40 secondes. Vous devez partir sur YouTube. Bonjour le roi Olivier. Ma chaîne YouTube a le même nom que Facebook, The Guide Diga Academy. Allez vous connecter là-bas. Dans 25 secondes, je vais arrêter. Bon. Donc, beaucoup d'entre vous, souvent, vous êtes bloqués. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes bloqués. Et vous êtes bloqués parce que vous avez refusé d'utiliser vos noms. On te menace au boulot tous les jours. Tu préfères rester dans le boulot là, tu souffres. Alors qu'on t'a donné, ok, viens, tu utilises tel don ici. Viens soigner les gens. Ah non, moi je ne veux pas moi faire des trucs comme ça. Ah non, c'est compliqué. L'affaire là n'est pas compliquée. Ce n'est pas compliqué. Mon Facebook, allez vous connecter sur YouTube.